Les aventuriers. Wow. Ouais. C'est nous. Wow. Les aventuriers. Nous sommes en possession de la carte de la pyramide suprême. Ce ne sont pas ces idiots d'aventuriers qui la trouveront avant nous. Ah, chargez-la précieusement dans le dirigeable. Je m'occupe de la statuette. Oka Mamatusso. C'est ma statuette, mon petit tigre. Bon, où est-ce que je les ai mises? Ah, les voilà. Qu'est-ce qu'il fait? J'arrive pas à voir. Et c'est quoi cette pyramide suprême? Dundee, bouge, on voit rien. Il faut qu'on en sache plus. Il est parti chercher un truc. Qu'est-ce qu'on fait? Regardez, il revient avec des chaises. Des chaises? Ce sont les mêmes que dans la pyramide. Et qu'est-ce que ça veut dire? Sortez de votre cachette! Je sais que vous êtes là, j'ai une petite surprise pour vous. Feuille tordure! Qu'est-ce que ça veut dire? Venez ici, mes amis! Rejoignez la piste, le spectacle va bientôt commencer! Je vous avais dit que je vous dirais pourquoi on m'appelle Fate! C'est votre destin! Ça suffit, Fate! On va te montrer ce qu'on est capable de faire! Flagella, attends! Oh, c'est certainement un piège! Oui, en même temps, ça sera ni le premier ni le dernier dans lequel on va tomber! Allez, on fonce! Un pour tous et tous sur Fate! À l'attaque! Oui! Comme je l'espérais, vous êtes tombés dans mon piège! Ne faites pas un pas de plus, maudits aventuriers! Je le savais, hein, je vous avais dit que c'était un piège. Bah, c'est quoi le piège alors? Oui, c'est vrai ça. On est quatre et tu es seul, Fate. Il va falloir être plus convaincant que ça. Je vous conseille de vous asseoir sur ces chaises. Je suis désolé pour votre nouvel ami, mais je ne l'avais pas prévu dans mon plan. Regardez, derrière lui! La statuette de diamant! Elle est gigantesque! Elle est monstrueuse! Elle fait la taille d'un... D'un vrai tigre. C'est celui de la légende. Je vous ai dit de vous asseoir. Le show va commencer. À moins que vous ayez des ovitos sexy dans votre dirigeable, je vois pas trop ce qui va faire le show. Mais c'est vous, mes amis. Vous et notre invité surprise. Mais qu'est-ce que vous faites avec cette torche? Oh, la statuette. Mais... Elle fond. C'est pas du diamant. C'est de la glace. Le tigre sacré, c'est lui. Oh, cher et en folle. Mais c'est comme un tigre. Tiens, les nazes, je me tigre. Ça ne va pas, on va pas vous laisser filer comme ça. Me voilà. Préparez-vous à subir les conséquences de ce réveil brutal. Oh non, j'ai comme l'impression qu'il va se mettre à chanter. Mais c'est un tigre de Bollywood, c'est normal. Qui êtes-vous pour oser et me réveiller? Il y avait pourtant un panneau, ne pas déranger. Mais mon sommeil avait brutalement stoppé et me voilà puissant. Puissant comme un tigre. Puissant, puissant. Puissant comme un tigre. Puissant, puissant. Puissant comme un tigre. Savez-vous au moins ce que vous risquez? Pour me répondre, il va falloir tenter. Et si jamais votre réponse me contrarie, je me verrai obligé de vous bouffer, car je suis puissant, puissant, puissant comme un tigre, puissant, puissant, puissant comme un tigre. Qui êtes-vous? Les aventuriers. Que voulez-vous? On va t'expliquer. Nous pensions que de diamants tu étais fait, que par conséquent il fallait t'exposer. Mais nous voyons bien que ta place n'est pas dans un musée, car il suffit de te regarder pour comprendre que tu es puissant, puissant, puissant comme un tigre, puissant, puissant, puissant comme un tigre, puissant, puissant. Les aventuriers. Moi aussi, je les aime bien. Les aventuriers. C'était génial! J'ai adoré cette chanson! Vous avez bien fait de me réveiller, les amis! Oh, du coup, il n'est plus question de nous manger? Non, non! Et de toute façon, je suis un tigre végétarien! C'était surtout pour faire peur aux touristes! C'est quand même super marrant, tous ces vilains qui chantent, non? Mais c'est vrai, ça! D'abord, le vieillard qui nous a ouvert la porte du tombeau d'Atotis avant de nous y enfermer. Ensuite, la momie et ses crabes. Et maintenant, le tigre! Mais non, voyons, c'est... C'était la prophétie. La prophétie. Maintenant qu'on en parle, il me semble bien avoir entendu la momie parler d'une prophétie. Ah bon?
moi tout ce que je me souviens, c'est qu'elle a dit ah, ouh, et grelagaga. La prophétie de la ligne, les amis. C'est dommage que l'autre monsieur soit parti avec la carte. J'aurais pu vous montrer. L'ordure de Fate. Qu'est-ce qu'il y avait sur cette carte? Le tracé de la ligne. Celle qui relie le début et la fin. Celle qui mène à la pyramide suprême. Le secret le plus gardé de toute l'histoire de notre civilisation. Car telle est la ligne. La ligne? Mais bon sang, mais c'est bien sûr. Regardez. En suivant la ligne, vous trouverez... Quoi? Si on place le temple d'Atotis sur la carte et la pyramide en Amazonie, on peut tracer une ligne et... Oh non, une si belle carte! Qu'est-ce que tu vois, Flagada? Regarde, Zalim. Les points Zalim, enfin, et il passe pile sur... Le temple sacré d'Azramazaz et Caparvan. Vous avez résolu cette énigme judicieusement. Et si on la continue vers le nord, ça tombe pile sur... Tokyo. Ah, bah tiens, c'est marrant ça. Ça tombe bien, Lara. Indy t'attend là-bas. Quoi? Mais tu pouvais pas le dire plus tôt? Désolé, on a été un peu occupés. Je te préviens, s'il est avec cette connasse de Sydney, je te tranche ta poche et j'en fais un sac à main. Bon. On file à Tokyo, y a pas une minute à perdre. Attendez, regardez. Non, mais t'as pas compris le concept, Dundee. On est déjà dans le temple, on a résolu l'énigme. Tu peux pas faire ce genre d'effet d'annonce. Non, mais la ligne. Toute ligne a un début et une fin. Si on continue la ligne sur une sphère, elle fait le tour de l'océan Pacifique et arrive tout droit en Australie. Bon, je propose qu'on fasse deux groupes. Je pars au Japon, je me renseigne avec Indy sur une éventuelle pyramide. Si on fait chou blanc, je vous envoie un télégramme pour vous rejoindre en Australie. J'ai toujours rêvé de découvrir le Japon. Ouh, moi aussi, alors. Eh bien, je pense que mon équipe est complète. Très bien, je pars avec Dundee. De toute façon, je ne suis plus vraiment le bienvenu au Japon depuis l'incident du Mont Fuji. Il va vraiment falloir que tu me racontes tout ça dans l'avion. Allez, en route, les amis. On va démontrer à Sfate que son destin est de notre fate. C'est ici que nos cinq amis se séparent l'intervalle de deux épisodes. Qui des deux groupes fraîchement formés découvrira la pyramide suprême? Et quel est ce secret le plus gardé de toute l'histoire de notre civilisation? Vous le découvrirez dans les deux prochains épisodes des Aventuriers. Suivez la ligne et passez par Tokyo ou Sydney. Les Aventuriers!